On enchaîne du coup avec toi, Lucas. Ouais. Eh ben déjà, il y a un an de la grappe. Eh ben, c'est fou, quand même. Ça file, hein. Ouh, on n'a pas vu le temps passer. Non, un an d'existence, beau succès dans le département en plus. Incroyable. Bon, j'ai quand même compté, pour arriver à l'audience de quotidien, il nous faudrait à peu près, avec nos 750 abonnés en un an, 1333 saisons, donc autant vous dire que vous n'avez pas fini de nous voir. Mince alors. Mais j'ai le temps d'inventer un personnage finalement. Ah bah là, t'as le temps de faire tout ce que tu veux. Ça va le faire. J'aurai le temps de finir mes études, c'est parfait. Non, bon, plus sérieusement, il fallait marquer le coup, donc avec Romain, on a décidé de se remater à peu près les, quoi, 25 heures de rush. Et surtout que t'étais pas là au début en plus. Et en plus, oui. Donc j'ai redécouvert des trucs sympas. Et d'ailleurs, regardez les 25 heures de rush de la grappe, c'est ce que je conseille à tout le monde qui souffre d'insomnie d'ailleurs. Ça marche très très bien. Donc on vous a trouvé tout ce que vous n'avez pas vu et qui vaille vraiment le coup d'être vu. Hein. Donc petit effort de mémoire, on va retourner à la première saison. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait du public. Enfin, il y avait. Il était là, posé, pendant 3 heures, en se demandant ce qu'il faisait là. Hein, donc, vous allez voir tout de suite un petit florilège de tous ces regards dans le vide qui en disent long, de ces rires gênés, mais aussi de ces messes basses, certainement un peu cochonnes, et bien plus encore. On arrive déjà à la deuxième partie du G-Show. Basile. Direction et puis bah voilà, applaudissements et puis voilà. Et puis après on enchaîne, je veux juste une précision, t'enchaînes sur lequel de reportage au début? Day by day. Ok. C'est chaud. Allez. Allez, action. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la grappe. C'est un concept en fait japonais de base. Juste un truc. Ah, puis on pense surtout à ce pauvre chat, hein, qui... On se demande d'ailleurs ce qu'il est devenu. Pas de nouvelles, non? Si, si, mais il est parti loin. D'accord. Ah. Bon, ça... Non, il n'est pas dans l'au-delà. Non, on espère qu'il s'y est remis quand même, hein, de cette expérience. Bon, sinon, la grappe, c'est aussi les chroniqueurs emblématiques qui ont marqué ces deux saisons, hein, et on ne se lasse toujours pas du regard vide de Basile, hein, et vaguement paniqué. Et surtout, on pense fort à Alice et sa fameuse tête qui nous rappelle un animal. Serez-vous reconnaître cet animal? Steve, qui est magnifique, et puis nos enfants, cette année, ils font la parade parce qu'ils font partie de la commission jeune d'Éternel, donc on est contents, on les appelle. La Baye. Bayeville. 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 Bayver. Tu peux parler? Non mais... Ah, j'ai rien compris, tu vois. C'est terrible, ça. Parle, Camille. Mais quoi? Continue de parler, on fait le son, t'as un micro. Tu l'as eu? Non mais, attends, t'excites pas, Camille. Est-ce que tu veux que je prenne Camille? Ça sert à rien de faire ça, parce qu'en fait, il vaut mieux qu'on regarde que l'image de la caméra. Simon a rencontré Ian Cofield. Et oui, on a tous reconnu le hibou. Oui, c'est vrai. Hein, il ne faut pas non plus oublier que si l'émission vit, c'est aussi grâce aux techniciens, hein, qui nous accompagnent. J'espère sincèrement qu'ils vont se sentir aimés et indispensables en revoyant toutes ces images, comment dire. Rempli d'amour et de gratitude. Hein. Maintenant, ce magnéto, Régis. Bon. Un peu plus près le micro, en fait. Quand on parle. Aujourd'hui, on accueille Paulette. Ta barbe, tu frottes contre le micro. Ah, désolé. Il y a de la tête. Alors, vas-y, on le refait. Pardon, excusez-moi. Sans couper, tu vas y arriver. Vous en avez marre, là, non? Il a envie d'être sur le plateau, Greg. Oui. Non. C'est qui joue avec un stylo? C'est moi. C'était plus marrant quand tu disais, genre en mode. Arrêtez avec le stylo! C'est bien, il a raison!
Mais c'est bien, moi. Mais c'est pour voir s'il suit, parce qu'après, il va me faire n'importe quoi. Toi. Et c'est le moment de la roll. C'était joli, ça. Je suis vrai que c'est son... Il faut... faudra faire un moyen pour... Il faudrait couper le... les rondelles, là, je pense. Vas-y. Tu vas te couper la rondelle. Il y en a quatre, en plus, non? Et ben, mets-toi dans ta position. Attends, je vais aller. Les gars, vous dites quand c'est bon pour vous, hein. Nous, on est prêts. Ouais. L'invité de merde. Putain. Et alors, je rigole. Ah oui, c'est la dernière fois que je viens. Vous me dites quand vous êtes bon, hein. Est-ce que vous voyez un peu l'écran aussi avec la grappe derrière et tout? Tu le voyais avant? Je le voyais, ouais. Pour voir avant qu'il te capte. Donc là, tu m'entends pas? Si. Non, mais faut pas que tu sois trop penché sur la table. Ah oui, d'accord. Alors, une fois n'est pas coutume, hein, on tenait tous à vous dire merci d'avoir supporté tous ces bruits de stylos, les pets de bouche de Romain aussi, et autres injures qui vous étaient destinées. Pardon. Voilà. Désolé. J'essaierai de me retenir à l'avenir, mais ouais. C'est compliqué. Bon, et puis sinon, j'ai encore plein d'autres petites vidéos à vous montrer, mais j'ai pas réussi à les caser dans une rubrique en particulier. Du coup, on vous a refait un petit florilège de tout, et vous allez voir, ça vaut le détour. Obligé de rationner les... je me suis trompé. J'adore, mais j'adore, il est violent. Attends, on va recommencer. On recommence. Marrer, ouais. Ah, excusez-moi, mais c'est violent, j'adore. Ah bon, ouais. Il y a des moments pour intervenir. Tu me fais tellement kiffer. Merci, je t'aime. Je t'aime. Ah, attends, c'est oula, c'est pas grave. Petite paille. Ah non, c'est violent, vas-y, reprends. On l'a refait, je te jure, je suis trop chaud. Prise 3. Vous voulez? Ah, c'est bon. Il reste 2 minutes 50. Je vais être bien. Dans le foin, je suis pas trop meilleur. Ton pot dans le foin. Coule en moi, grand démon. Pardon. Je suis vraiment désolé. Je vais répondre aux questions. Ça me lance comme ça des fois. Ok. En espérant pouvoir vous refaire un bêtisier l'année prochaine avec des images encore plus. Marrante et décanée. Je pense que ça ne va pas manquer. Je pense qu'on est capable de ça. Hein. Au vu de ce qu'on a fait en un an, tout est possible. Tout est possible.